Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscar pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour un petit, une petite review du prochain champion dont le nom est Action, euh, qui est donc euh, la sentinelle rebelle, qui est là pour euh, apporter un petit peu, euh, un, un, un peu d'action. Non, ok, bon, non, mais vraiment, <laughs> c'est un personnage qui est assez intéressant. Euh, D'ailleurs, je vais en profiter juste avant de... Partir sur ses compétences pour euh, M'excuser parce que je crois que j'ai pas fait L'analyse des sorts des de Gwen Ou alors je pense que je l'ai analysé Mais que j'ai pas vraiment euh, J'ai pas upload la vidéo, je pense que c'est un truc comme ça Mais euh, bref euh, J'étais pas ultra fan Et vu la monstruosité que c'est devenu Je suis plutôt euh, d'accord avec moi même Après on verra comment est-ce que euh, Riyad va réussir à équilibrer ce champion Maintenant qu'il a été foutu dans leurs mains euh, Moi Ce que je peux vous dire c'est que ce champion euh, dont le nom est Akshan, euh, ici, euh, pour avoir été déjà spoilé par ses compétences, je trouve. Voilà, pour, si vous voulez vraiment juste avoir mon ressenti vite, vite fait avant qu'on passe dans le détail de pourquoi et du comment, les gens ont tendance à. C'est dans ces temps-ci à beaucoup trop courir, euh, courir dès qu'ils voient un gros euh, un champion avec des mécaniques nouvelles et à dire Mon dieu, il est pété, il a trop de trucs, machin, sans vraiment s'attarder sur. Euh, comment est-ce que euh, cette, ce champion peut utiliser ses mécaniques et est-ce que les les éléments qui sont présents dans son kit sont si forts que ça Bref, on verra. Donc, Action est censé être présenté comme un tireur qui se joue sur les solo lanes. Euh, donc, déjà, une première chose avant de voir tous les sorts et tout le bordel, euh, qu'est-ce qu'il faut pour un, euh, un champion, pour qu'il soit jouable sur une solo lane ben, Généralement, ce qu'il faut, c'est avoir un bon scaling au niveau des niveaux. Euh, pourquoi Parce que euh, les solo lanes, c'est les endroits du jeu, c'est les rôles du jeu où vous allez avoir le plus d'expérience, puisque vous êtes, vous êtes tout seul sur votre voie et euh, les sbires vous donnent pas mal d'expérience, euh, plus d'expérience techniquement que les monstres de la jungle, et en bot lane, vous êtes deux, donc vous partagez l'expérience généralement. Ce qui fait que sur la mid lane et la top lane, vous allez avoir le plus d'expérience en théorie dans la partie. Et euh, il faut pouvoir tirer parti au maximum de cette expérience en ayant des bons, euh, des, du bon skinning dans, dans ce niveau là. Et euh, généralement, euh, bon, il y a énormément de stats checking qui va avoir lieu euh, notamment en top lane. Hein, ce qui fait qu'il faudra voir un petit peu euh, comment est-ce que les statistiques de d'Akshan... Se euh, ce, ce compare à celle d'autres laners, notamment ceux des meilleurs laners euh, actuels dans les solo lanes. On pense notamment à cette horreur de Gwen ou à cette horreur de Viego, ça dépend, l'une des deux, hein, c'est comme vous voulez. Et tout. Euh, et, euh, pour ce qui est de la du choix, en tout cas, au niveau de la solo lane entre la mid lane et la top lane, c'est un petit peu différent. Généralement, mid lane, l'avantage. Que tu peux avoir le premier avantage que tu peux avoir c'est la portée et la deuxième c'est d'avoir la sustain et la troisième c'est de pouvoir one shot ton adversaire avec n'importe quoi donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer euh, généralement la mid lane dispose de plus de trade et il y a plus de decision making qui doit arriver ce qui fait que tu dois pouvoir avoir le push euh, sur ton adversaire puisque tu as le plus de comment dire c'est à ce moment là que tu auras le plus d'emprise sur le matchup et que tu pourras un petit peu faire ce que tu veux avec les, les management des waves et ainsi donner plus d'espace à ton jungler et à, pour, probablement à ton support puisque apparemment tout le monde a décidé de ne pas jouer sa lane en saison 11 et de foncer sur la mid lane et qu'on se retrouve à 4 à 5 minutes de jeu écoutez qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est la vie c'est la vie mais bon euh, pour ce qui est euh, de la top lane c'est un petit peu différent il y a beaucoup plus de mêlée comme on sait euh, ce qui fait que action est censé être un petit peu plus intéressant si c'est intéressant s'il si s'agit d'un tireur euh, après, généralement, les tireurs en sont censés être devant dans leur match-up. Donc, il a besoin d'avoir beaucoup de capacités de, 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 capacité de, de race, tout en étant relativement safe pour ne pas, enfin, pour survivre aux lignes des euh, champions au corps à corps. Voilà. Cette introduction étant suffisamment terminée, enfin étant suffisamment longue, nous allons la terminer et donc passer euh, au euh, sort d'Akshan. Et euh, pendant ce temps, je pense que je vais euh, m'apprêter également à euh, pa paramétrer le PBE puisque euh, nous allons également euh, regarder ses sorts dans une game une fois que euh, l'on aura terminé un petit peu avec ce champion. Alors, donc, on a son passif, compétence passive, fourberie, oui, on, ce sera en français. Euh, la troisième attaque aux compétences offensives d'Akshan inflige des dégâts physiques supplémentaires si la cible est un champion. Akshan obtient également un euh, bouclier. Alors, je vais juste ouvrir euh, les champions dans une autre, euh, dans une autre fenêtre. Si j'appuie sur CTRL-Tab, let's go, ok. Euh, fin, par contre il faut pas que j'utilise la molette parce que sinon c'est la merde. Ça maintenant je le sais. Alors donc on est déjà sur, sur quelque chose d'assez intéressant du coup sur ces trois premières lignes euh, puisqu'on a donc déjà le fameux passif qu'on utilise pour, euh, pour meubler. C'est un peu un passif de meublage euh, dans un personnage où tu es en mode comment est-ce que j'ajoute de la profondeur euh, sur un personnage sans forcément euh, savoir trop quoi faire. Et eh ben, euh, tu lui donnes euh, donc un passif qui marche avec des marques. Alors, euh, Ecom a ce genre de passif, par exemple. Je sais que Gnar a également ce genre de passif. Et, euh, bon, là, je crois que je, suis en train, je, vais, en, je vais en louper certains, hein, bien évidemment, parce que je regarde un peu comme ça. Mais, des, des, des passifs où, qui marchent en mode on applique des stacks sur un personnage. Euh, Kaisa également joue comme, euh, à ce genre de passif. Euh, D'ailleurs, ça dépend si c'est les auto-attaques ou les compétences. Là, apparemment, sur Action, ça va l'air les deux, puisqu'il a pas l'air d'avoir énormément de spells en dehors de. Euh, énormément de, 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 justement, de spells en dehors de ses euh, auto-attaques. Donc, donc, on peut techniquement foutre les spells en même temps. Euh, donc, ça, ça, ça généralement, c'est ok. Euh, on a Velkos qui marche avec des marques aussi, mais il est pas là. On a Vane qui marche avec des marques. Euh, bref, on va pas tous les faire, mais vous savez que euh, généralement à, à, ajouter des marques sur un champion euh, c'est intéressant. Euh, parce que comme ça ça leur permet d'avoir euh, la profondeur un petit, peu, euh, un petit peu fausse, mais surtout ça limite le potentiel de burst du personnage parce que ça lui demande de mettre plusieurs auto-attaques dessus, ce qui fait que ça rend forcément le champion un peu moins frustrant, sauf quand il peut appliquer ses marques plus euh, trop rapidement. Bref. Euh, donc comme vous pouvez le voir, donc ça inflige des dégâts physiques supplémentaires. Déjà première chose intéressante, euh, dégâts physiques. Ce qui fait que Aksha n'a pas des dégâts mixtes vu qu'il est censé build AD je pense, je crois de ce que j'ai compris vu que c'est un, enfin, un tireur. Euh, et donc il n'y aura pas de dégâts mix. Ce qui est intéressant du coup, parce que euh, on aurait pu penser que genre, dégâts bruts ou dégâts magiques, ça serait assez fort sur un carry parce que bah, c'est un peu difficile à contrer, ça se fait des dégâts hybrides. Donc euh, si tu prends de l'armure et que c'est dégâts magiques, bah, tu prends quand même les dégâts magiques du passif, c'est de la merde, c'est chiant. Bref, voilà. Là c'est des dégâts full physique, donc si tu prends un tabi pour l'instant, il est un peu baisé. Si la cible est un champion, Action obtient également un bouclier. Donc ça c'est la deuxième partie intéressante puisque je crois que ce n'était pas forcément le cas sur les marques du jeu. Je crois que ça a été ajouté... Euh, je ne crois, je crois sais pas s'il y a des marques qui donnent des boucliers maintenant euh, qui, qui dans le jeu en dehors de Action. Donc c'est intéressant de voir que euh, ils ont quand même réussi à tweaker un petit peu ce genre de passif qui est d'habitude assez, euh, assez générique et donner un bouclier. Alors on, on peut montrer un petit peu le... le, le, le voilà, le bouclier que ça va avoir, voilà. Euh, bon, on ne sait pas trop quelle va être le, la taille du bouclier. On ne sait pas ce, quel est le cooldown de ce bouclier, s'il si peut le réactiver plusieurs fois sur l'adversaire pour garder un shield. Ce qui serait assez fort pour bon, le coup, parce que ça, ça serait littéralement. Euh, si tu a, appliques constamment un shield, ça fait quand même assez. Ça paraît quand même assez intéressant. Même si le shield est de 100 HP, ça restera 100 HP qui vont proc quasiment tout le temps dans un duel. Et tes pays vont pas trop de, de, de descendre. Euh, mais il euh, faudra aussi voir en fait il faudrait aussi voir euh, si justement ce shield va être également euh, va être vraiment utilisable généralement en duel si t'es genre en top lane par exemple euh, et que t'appliques trois marques sur un champion euh, mêlé par exemple je sais pas une Shogat ou un truc comme ça euh, à moins que tu te prennes le bump de Shogat instantanément parce que tu t'es mal, mal placé ou t'as mal, mal dosé tes auto attaques tu vas jamais vraiment Proc, enfin ce, 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 ce shield va pas jamais vraiment servir à quelque chose. Si tu mets 3 auto-attaques sur un melee et qu'il attaque pas lui parce que son but c'est juste de l'astite parce qu'il a, a, a pas envie d'avoir de, de, affaire avec toi, tu vois, il va pas attaquer en retour, ce qui fait que le shield va pas servir à grand chose. Le shield va surtout servir dans les 1 euh, et généralement, bah, quand tu veux détruire un carry comme ça, euh, tu vas certainement passer à travers son shield, euh, ce qui pourrait être intéressant. La question qu'on pourra voir avec le shield et qu'il faut voir au niveau des, des paramètres atomiques, si on, si on appelle ça comme ça, c'est la taille du shield, la sa durée, euh, son cooldown et euh, basiquement, euh, ses ratios s'il y en a. Basiquement, euh, parce que le, le fait d'avoir des ratios intéressants sur, euh, sur un personnage euh, qui est un tireur, ça pourrait potentiellement pousser Akshan à partir sur un build un petit peu plus euh, adécentrique, plus que sur de la vitesse d'attaque. Donc il faudrait voir un petit peu à ce niveau-là. Et donc ensuite on a donc son deuxième passif, parce que sinon euh, c'est pas drôle, après avoir attaqué, Akshan tient une seconde attaque qui inflige des dégâts physiques réduits, ce second tir peut être annulé comme n'importe quelle attaque de base, et si Akshan annule ce second tir, il obtient un bonus de vitesse de déplacement. C'est ça, comme vous pouvez le voir, il l'a annulé, et donc il obtient un... Alors, le bonus de vitesse de déplacement, mais là, extrêmement faible, je pense que c'est juste... C'est ça. En fait, c'est pas que... Comme vous pouvez le voir au niveau des animations, je sais pas si on, on va le mettre en plein écran, histoire que vous voyez. Est-ce que vous voyez sa petite lueur là, sa petite lueur qu'il a derrière Ouais. En fait, sa deuxième auto-attaque annule le, euh, le buff de Mouspeed. C'est pas si tu attaques une fois, t'as le buff de Mouspeed. C'est tu as un buff de Moose speed entre ta première et ta deuxième attaque, et si tu ta deuxième attaque proc, on t'enlève ton buff de Mouspeed. Donc ça veut dire que je suppose que euh, le Akshan ne peut pas bouger lorsqu'il utilise sa deuxième auto-attaque. Euh, donc ça veut dire, techniquement, bon, c'est un passif un peu à la 7, on l'a on a, on a un peu compris. 7 qui est la même chose, mais en mêlé, basiquement. Même si son deuxième coup fait plus de dégâts, je crois, hein, c'est ça. Euh, mais en gros, c'est juste une auto-attaque qui inflige des dégâts réduits, donc, qui est censée être centrée autour de son passif, encore une fois, son premier passif. Et donc appliquer deux stacks de marques, au lieu d'une seule. Ce qui fait qu'on pourrait, euh, on pourrait euh, déjà voir, même sans avoir vu ses spells. Euh, entrevoir un petit peu un combo à la double auto-attaque into spell euh, pour, pour expliquer très rapidement la marque. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Action ne bouge pas lorsqu'il utilise sa deuxième auto-attaque, ça veut dire que son passif est plus utile, en tout cas c est, c est, c est, sa deuxième auto-attaque est plus utile lorsque les ennemis vont vers toi que lorsque tu vas vers les ennemis. Parce que lorsque tu vas vers les ennemis, tu veux pouvoir les hit and run et tu veux pouvoir utiliser ton buff de vitesse de déplacement pour rester à portée. Et voilà comme ça pour un petit peu euh, pour, pour les poursuivre je veux dire pour les chase ce qui fait que on a un passif qui sert non qui peut servir à attaquer et à se défendre mais le passif qui permet de se, le passif est techniquement plus puissant pour te défendre que pour attaquer ce qui est un peu bizarre sachant que c'est un rogue ça va être un rogue qui va foncer dans les dont le but est de prendre des kills quoi et donc si tu vas pas tu vas pouvoir jouer plus défensif qu'offensif avec Akshan puisque avec cette double auto-attaque, non seulement tu fais plus de dégâts sur l'adversaire qui doit encore arriver jusqu'à toi, mais en plus tu prends deux stacks de marque, ce qui fait que tu seras plus rapidement à trois marques et donc à ton shield. Donc euh, il faudra un petit peu euh, en ce qui concerne de cette deuxième attaque, euh, les dégâts physiques réduits généralement. Bon, cette attaque en fait, cette deuxième auto-attaque pourrait infliger 20 des dégâts de, sa, de la première, que ce serait toujours utile puisque ça appliquerait quand même la stack. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont réduit ces dégâts physiques. Euh, mais euh, normalement, ça a l'air d'être assez intéressant. Je peux comprendre. Alors, je, je, on n'a pas l'air d'avoir une cadence de tir si intéressante quand même. Ah, si, quand même, c'est une grosse cadence de tir. Bon, on peut, on peut se dire que déjà les lasties vont être assez intéressant avec ce personnage. Parce que, pour le coup, le, le truc avec cette, c'est que même ses auto-attaques, sa double auto-attaque, entre guillemets, était assez lente. Euh, mais euh, avec un. Un, un, un champion à distance. L'avantage c'est que son auto-attaque sera, sera pas aussi comital, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, ça sera pas aussi risqué. Tu te donneras pas autant à l'adversaire lorsque tu utilises une double attaque à distance par rapport à lorsque tu utilises une double attaque au corps à corps, puisque déjà tu dois rester sur l'adversaire, ce qui fait que tu perds un peu de tes attaques en te déplaçant pour aller, euh, pour aller taper cette deuxième. Et ensuite, euh, bah, ça m'a l'air d'être un personnage qui, est quand même vachement, qui utilise vachement plus le, euh, son passif sur des mêlées, et donc potentiellement sur la top lane, même s'il y a quand même pas mal de mêlées en mid lane actuellement, parce que justement, euh, tu peux mettre deux autos à un, un mêlé qui essaye de prendre les sbires, tu peux en mettre qu'une seule sur un range qui essaye de prendre un sbire, parce que si en mets deux, ça veut dire que tu te, avec l'animation euh, que tu vas faire, qui sera plus longue du coup vu que tu tires deux fois. Tu peux potentiellement euh, te faire euh, attraper par un sort euh, qui vous spell E de Sindra ou un truc comme ça, par exemple. Euh, alors que si t'en mets deux sur un champion mêlée, euh, ben, euh, généralement, si tu dash dessus, c'est qu'il te redash dessus de toute façon. Et généralement, tu peux toujours la cancel, donc ça, ça reste intéressant. Rien qu'avec ce passif-là, pour l'instant, ça a l'air d'être un tireur assez intéressant. Par contre, la visite des déplacements ne m'a pas l'air incroyable. Et le bouclier, je ne sais pas comment est-ce qu'il va être, mais je ne pense pas qu'il va être incroyable non plus. Ce qui fait qu'on a déjà deux statistiques qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas tellement... Enfin, en, en, dans, un, dans, dans un vacuum, dans un vide, elles seraient intéressantes, mais vu comment elles sont implémentées et vont, comment elles vont être implémentées et équilibrées dans l'action, ce ne sera pas des, 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 des aussi grosses capacités que ça, puisque la vitesse de déplacement servira, servira surtout à mettre d'autres auto-attaques pour pouvoir chase l'adversaire, mais... Je pense qu'avec suffisamment... Ce ne sera pas un bonus de vitesse de déplacement qui sera si haut que ça. Ce sera vraiment un truc pour... Genre, si on est à vitesse de déplacement égale, je vais être... Je vais, être, je vais aller plus vite. C'est comme Vayne, par exemple. C'est... À vitesse de déplacement égale, je vais aller plus vite. Mais, si tu vas... Si tu as un buff de move speed euh, par rapport à moi et que tu as la même euh, vitesse de déplacement que moi, de base, tu vas aller plus vite. Donc, c'est surtout pour... Euh, pour donner un petit peu plus de, comment dire, de marge de manœuvre à, à Akshan, son passif. Mais je vois qu'on a déjà passé 15 minutes sur son passif, donc on va peut peut-être passer aux autres. Mais de toute façon, on va, on va certainement passer moins de temps sur le reste. Le Venge-Rang. Magnifique jeu de mots, bien sûr. Euh, Akshan lance un boomerang qui inflige des dégâts physiques et révèle les ennemis touchés. Sa portée augmente chaque fois qu'il touche un ennemi. Euh, et les ennemis peuvent être touchés une première fois à l'aller du boomerang, puis une seconde fois au... Retour. Ok. Alors on va, je vais le montrer vite fait quelques fois pendant que je, je m'hydrate. Me, je me, je hmm. Ok. Alors déjà je trouve que c'est pas ultra ouf en termes de reveal de me passer que 3 secondes sur ce sort. On aurait pu voir... On a pu montrer la portée minimale du Q-Spell. Parce que là, on nous montre la portée maximale. Donc forcément, t'as l'impression que le spell il fait toute la largeur de la map. Mais je pense qu'il doit s'arrêter à peu près au deuxième sbire si, euh, si Akshan ne touche pas à un autre sbire C'est pour ça qu'il le montre à cette, à cette distance-là. Euh... Donc finalement un spell qui a et... Donc déjà, il y a plusieurs. Euh, plusieurs capacités, plusieurs aspects. De ce spell qui sont à, à noter. Première chose, dégâts physiques, encore une fois. Donc, si on prend un Tabi Ninja, on est toujours bien pour l'instant. Euh, et donc, ça révèle les ennemis touchés, ce qui est intéressant. Parce que, en tant que carry euh, et en tant que euh, bah, tireur euh, assez euh, squishy, ce serait intéressant de pouvoir détecter les ennemis qui arrivent en étant euh, fufu j'ai envie de dire. Après, le truc, c'est que vu la portée de cette arme, on a, ça n'a pas l'air d'être un truc qui est tellement. Euh, c'est, ça a l'air d'être un spell qui est surtout utilisé pour euh, suivre des ennemis qui se deviendraient invisibles plutôt que pour euh, scout des des, des, des bush, puisque ça a l'air de pas avoir une énorme portée euh, si, tu, euh, si tu, tu si ça augmente pas quoi. enfin si la portée n'augmente pas en elle-même euh, si tu touches pas un ennemi généralement je pense que tu vas pas pouvoir scouter très loin les boches donc euh, peut-être des petits jeux que tu peux faire avec le carapateur ou avec les monstres de la jungle mais ça reste, euh, ça reste euh assez limité cette histoire. Euh, alors, ça a l'air de pouvoir one shot les sbires comme ça, mais de ce que, que j'avais entendu sur d'autres, euh, chez d'autres influenceurs qui avaient, euh, qui avaient euh, eu le, le reveal du champion et qui avaient fait des, déjà des vidéos avant, c'est l'avantage d'être euh, un petit peu en retard, c'est que apparemment son Q spell ne va pas one shot les waves de sbires. Euh, ce qui veut dire que tu vas quand même devoir mettre des auto attaques sur les sbires pour pouvoir les tenir, C'est intéressant. Euh, dans une perspective de design parce que tu veux pas pouvoir non plus donner trop de, euh, de dépoche de sbire à Akshan qui est déjà un tireur qui a un buff de vitesse de déplacement donc c'est vrai que je vais veux pas non plus trop lui donner de, 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 de capacité euh, attendez quoi Attends. on est d'accord qu'il va plus vite là on est d'accord qu'il va plus vite au début là il a une particule qui c'est quoi cette particule Il va plus vite C'est pas marqué dans les spells. C'est pas marqué dans le spell. Il a tiré après une auto-attaque Non, il a pas tiré d'auto-attaque. Pourquoi est-ce qu'il va plus vite Peut-être que c'est pour marquer que son boomerang est en train de revenir, mais je sais pas, c'est bizarre. Attendez, est-ce que c'est ça Non, parce que ça continue. Il n'était pas encore en train de revenir lorsque l'effet le, le, est arrivé. C'est bizarre. Bref. Bon, on est sur un Q-spell qui ressemble beaucoup à, au, au boomerang de Sivir, sauf qu'il a moins de portée si tu touches personne et qu'il peut potentiellement avoir plus de portée, je pense. C'est un, un, un spell qui va surtout être utilisé pour des poches, on ne va pas se le cacher. Euh, et aussi pour appliquer la troisième marque de son passif. Tac-tac-tac. Euh, tu peux être touché deux fois, ce qui fait que tu peux te prendre deux marques du passif. Euh, avec ça, donc ça peut être intéressant, euh, la synergie avec le passif est déjà assez, assez visible, mais euh, bon, euh, ça va pas être là, le faux non plus si les dégâts sont pas ouf. Euh, on peut déjà quand même peut-être entrevoir un petit peu de létalité, on, on verra un petit peu avec ce personnage, mais euh, c'est vrai qu'un petit peu de létalité, euh, si vraiment ce spell venait à avoir un bon ratio, pourrait être intéressant, mais... Euh je pense que son, la synergie avec son passif est trop bonne pour pouvoir pour ne pas euh, s'en servir comme enfin ne pas jouer à Action comme étant un speed. Mais bon, on verra. Allez, passons au spell euh, de euh, toutes les controverses. <laughs> on va pas se cacher. Cavalier seul. Donc propriété passive. Lorsque des champions ennemis tuent un allié d'Action, ils deviennent des crapules. Magnifique traduction. Quand Akshan élimine une crapule, il obtient des PO supplémentaires. Tous les alliés tués par la crapule réapparaissent à leur base et les autres ennemis perdent leur statut de crapule. Bon. Donc. Euh... Oh, je, je, vais, je vais laisser tourner ça. Je vais le laisser tourner une fois avec le son. Ok. Alors, donc, avant que tout le monde commence à appeler la police, on va, on va se calmer un petit peu. Hein, et on va commencer à réfléchir un petit peu. Donc, déjà. Euh, donc, c'est une résurrection. Basiquement. Première chose, ils, les, les, appelés, les alliés tués par la crapule réapparaissent à leur base. Ce qui fait que c'est pas une résurrection euh, 100% efficace, puisque tu as quand même un énorme temps. Où tu, entre entre le moment où tu résurrectes et le moment où tu peux recommencer à aller sur le sur le sur, sur les alliés enfin sur les ennemis je veux dire donc dans un fight c'est intéressant pour ce qui est ce qui se passe après le fight mais c'est pas si intéressant que ça euh, si euh, si tout cela se déroule euh, si tout cela se déroule comment dire euh, pendant le fight c'est à dire que à moins que tu à moins que tu resurrect, tu, tu resurrect, encore une fois je sais pas si tu et parce que réapparais non, parce que réapparaître c'est bon bref à moins que tu fasses réapparaître une, un, un allié qui a une tp et qui peut donc revenir dans le team fight c'est pas si ouf que ça en vrai ce qui est intéressant c'est que du coup vu que tu réapparais à ta base et que tu as une tp tu peux prendre des items mais je sais pas si tu fights alors tu as pas tous tes items de faire je sais pas si ça va vraiment être intéressant bon ça demande à avoir la 6 du kill mais ça va pas être je... né nécessairement euh, su... né enfin, comment dire, suffisant pour acheter un item normalement ça devrait pas être euh... Trop, euh, trop puissant. Obtenir de des PO supplémentaires est intéressant dans le sens où ça peut permettre à des trade kills d'être bénéficiaires pour Akshan. Euh, puisque, imaginons par exemple, on a un jungler qui te fonce dessus, enfin qui fait un tower dive euh, avec Akshan. Le jungler meurt, mais, euh, mais derrière Akshan tue quand même l'adversaire. Euh, et euh, bah derrière, du coup, le, comme Akshan récupère des bols supplémentaires plus l'assist, ça reste une opération qui est worse pour, pour Akshan. Euh, le problème c'est que généralement dans les tower dive les, les, les personnes qui se font tower, enfin qui, qui utilisent euh, comment dire, non. les personnes qui tower dive en elles-mêmes meurent après que l'ennemi que soit mort puisque enfin, généralement ils meurent des coups de tour en essayant de, re, de, de sortir de, euh, de la grotte cette dernière ce qui fait que tu vas toujours mourir après la cible euh, et du coup tu, les, la, la cible peut pas devenir une crapule <laughs> alors qu'elle est déjà morte je suppose, bref euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a écrit quand Ashkan élimine une crapule. Alors, euh, on ne sait pas... Alors je crois que c'est écrit Takedown. Euh, Takedown en, en anglais. J'ai un peu la flemme d'aller le voir. Euh, mais je, je crois que je peux aller le voir vite. Est-ce que je peux aller le voir vite fait Non, je peux pas. Ah si, quand même. Ok. Tac. 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 Ok. Oui, parce que j'étais en anglais avant. Oui, get a takedown. Ok, donc normalement, ça veut dire que tu, si as l'assist, ça passe, je crois. Euh, C'est le genre de paramètres atomiques qui sont très importants parce que si tu as juste besoin de l'assist, euh, ça veut dire qu'Akshan ne doit pas forcément avoir le kill et donc il aura assez, assez facilement. Euh, il pourra assez facilement tuer euh, euh, une crapule. Euh, il pourra assez facilement faire proc son passif surtout parce que non, justement tuer quelqu'un est plus difficile que juste avoir l'assiste euh, Donc forcément action va certainement être le genre de personnage qui va arriver dans un team fight après que ce dernier ait commencé pour pouvoir euh, ben venger ses potes et euh, Et euh, du, ainsi ça va certainement être le focus principal d'un combat euh, puisque c'est lui qui peut faire revenir à la vie ses alliés euh, Généralement, il euh, faut se dire que, déjà, ce genre de passif est quasiment inutile euh, en early game. Pourquoi Parce que les temps de réapparition sont déjà si faibles que ça ne sert pas à grand-chose de faire réapparaître ses, ses alliés à ce moment-là. Ça va forcément, peut-être, je ne sais pas moi, commencer à, à être utile à partir du niveau 10, je crois, un truc comme ça. Au moment où les, les, les temps de mort vont commencer à devenir euh, supérieurs à 10-15 secondes, tu vois. Où là, ça va peut-être donner un avantage de tempo suffisant. Mais... En lui-même, finalement, c'est pas un passif qui est très intéressant, Norli. Même si, enfin, en dehors des golds que tu récupères, mais bon, enfin, on faudra voir combien de gold' il récupère. Je suppose que ça va, et ça va être plus ou moins gros en fonction des, 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 des euh, merdes, euh, de, du nombre d'alliés qui sont morts de, de la crapule. D'ailleurs, également, je sais pas combien de temps est-ce que cette marque euh, dure. Je suppose que c'est pendant la totalité des temps de mort euh, de la, des, des alliés, parce que si... Euh, oui, ou alors c'est un cooldown spécifique. Non, je crois que le, le, le cercle qu'on voit au début, oui, je crois que le cercle qu'on voit c'est le cercle des temps de mort du, de l'allié le plus... Euh, qui qu l'a tué en premier, je pense que ça doit être ça. Ce qui fait que du coup, euh, c'est pas genre, t'as une bounty sur toi, quoi, c'est... Euh, et que genre, t'as... Tu la gardes pendant 10-15 minutes. C'est vraiment juste pendant sur le team fight. Euh, tu, tu, tu as tué deux personnes, ça y est, euh, c'est la guerre quoi. Alors ensuite, donc ça va certainement servir pour ce qui est de, euh, de euh, comment dire euh, des team fight en mid late game. Le truc c'est que généralement les team en mid late game sont pas censés à pas enfin sont t'es pas censé team fight lorsque t'as pas d'objectif et lorsque tu combats autour d'un objectif, que ce soit le nashor ou le drake. Généralement cet objectif est pris dans le teamfight, ce qui fait que ben, une faire ressusciter des personnes peut-être que ça permet de limiter les dégâts d'un teamfight perdu, euh, ou d'augmenter un petit peu euh, légèrement euh, l'écart la, 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 euh, d'un teamfight gagné, mais ce ne sera pas si bien que ça. Quoi. Généralement les kills, vont être pris, euh, les, les kills dans, dans les teamfights vont être pris par les caries, et si tu arrives à tuer les caries avec Akshan, T'as généralement gagné le teamfight. Ce qui fait que vu que tu as gagné le teamfight, ça va pas être si intéressant que ça de faire résurrecter tes alliés. Euh, tandis que si tu perds le teamfight, ça va être dur de tuer les caries. Mais ça va certainement pousser les équipes à euh, et moins foncer euh, de, à de, directement sur toi parce que s'ils si font un trade kill, ce sera worse pour Action. Ce qui peut être très intéressant du coup, hein, pour le coup. Et on peut, se, on peut également se dire que même si Akshan euh, dispose d'un kit assez intéressant et d'un passif intéressant comme celui-là, il ne il il devrait généralement pas être la menace principale de son équipe parce que si ce n'est pas la menace principale, ça veut dire que les, alliés, les ennemis dev, devront euh, éliminer Akshan avant d'éliminer cette menace principale et donc perdre du temps avant de enfin pouvoir euh, taper euh, le, le, le vrai Damage Healer. Euh, donc, imaginons, on, peut, on, peut, on pourrait donner un, avoir un hyper carry en bot lane ou en mid lane et avoir Akshan sur la top lane. Ce qui permettrait ainsi à cet hyper carry de briller, puisque ça forcerait Akshan à, à globalement. Euh, comment dire Ça forcerait les, les ennemis à tuer Akshan avant de tuer cette hyper carry, Puisque si tue cette hyper, hyper carry avant Akshan et que Akshan se venge, l'hyper respawn. Donc, c'est pas, pas tellement euh, intéressant quoi. Après, je pense que les gens sous-estiment beaucoup trop le temps que tu mets à retourner euh, en, sur la lane euh, une fois que tu te fais resurrecter, mais on verra. Généralement, je suppose que tu vas avoir le doux foyer lorsque tu euh, en mid late game, donc ça va être intéressant quand même, mais je, me, je, pense, que le je pense que globalement, ce passif est assez euh, surcoté pour moi. Ça va être intéressant dans certaines situations, mais c'est un passif qui est plus situationnel qu'il n'y qu paraît. D'autant plus qu'il euh, faut, il faut forcément... Euh, comment dire Il faut forcément également prendre en considération cette dernière partie qui est que les autres ennemis perdent leur statut de crapule, Ce qui fait que si tu as euh, euh, un ennemi qui a tué deux personnes et un ennemi qui a tué deux personnes, tu vas devoir choisir. <laughs> tu vas devoir choisir entre qui focus. Et peut-être que la cible qui a les, les avec les plus intéressants sera pas la cible la plus facile à tuer. Donc il y aura des choix à, prendre, à faire euh, du côté d'Akshan. Parce que tu ne pourras pas faire euh, les, euh, les, 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 les. Faire réapparaître les, les alliés qui, sont, euh, qui, qui ont été tués par une autre personne que celle que tu viens de tuer. Bref. Propriété active, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est assez rapide. Action se camoufle pendant un court instant ou indéfiniment lorsqu'il est proche d'éléments du terrain. Durant cette durée, Action peut suivre à la trace les crapules et obtient un bonus de vitesse de déplacement et de régénération du manuel lorsqu'il se déplace vers eux. Ok. Très bien. Euh, c'est ce qu'on a vu au début là hein, c'est ça Ouais ok donc comme vous pouvez le voir déjà Première chose c'est un camouflage hein, Comme on l'a dit Ce qui fait que il, ce n'est pas de la furtivité Et que donc euh, tu peux voir Akshan lorsque tu es dans la range Du camouflage Là par exemple la range est assez énorme Donc ça va être assez dur de se faire surprendre par un Akshan Genre qui arriverait au corps à corps Après c'est normal un Akshan ne veut certainement pas être au corps à corps Mais euh, C'est pas une invisibilité qui est si incroyable que ça euh, généralement lorsque tu vois un Akshan, enfin généralement lorsque tu es dans une position où tu peux te faire surprendre par Akshan, tu sais déjà que tu vas te faire taper par Akshan. Donc le, le fait qu'ils soient invisibles généralement est pas une si grosse euh, affaire que ça, surtout que généralement bah, tu vas ping ward quoi, fais pas, fais pas ta pute. Et puis aussi, euh, un, un lorsqu'il est proche l'élément du terrain, déjà ça montre que c'est un camouflage qui est moins fort que celui d'Evelyn parce que Evelyn peut littéralement être, genre, rester... Euh, littéralement au milieu de la mid lane et attendre que tu prennes ta wave et te niquer ta race Akshan lui il doit quand même essayer de longer les murs ce qui fait que ça limite un peu ses déplacements et ça te permet de plus anticiper où est-ce qu'il va être ce qui est euh, assez intéressant pour les comme counterplay hum. je, je pense que le bonus de vitesse de déplacement est pas enfin il, y a, il, y a, il est important dans le sens où ça va quand même te permettre de roam plus vite mais je pense pas que ça va surtout être là pour te permettre de revenir sur la lane plus vite. Euh, et là où je me dis que peut-être la top lane est quand même vachement intéressante, parce que si tu reviens sur la lane aussi vite avec, euh, en top lane, par rapport à quelqu'un qui a pas un buff, un buff de mousse speed, euh, tu pourras prendre des resets beaucoup plus avantageux que ce dernier. Après la régénération du mana, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Je pense pas que tu vas euh, vouloir régénérer ton mana euh, genre euh, tout le temps, quoi. Et que lorsque tu, tu vas roam, je suis pas sûr que ça va vraiment être euh, très impactant, quoi. Ça va plus permettre à Akshan de euh, potentiellement se glisser dans la jungle qu'autre chose, mais bon on verra. Euh, bref. Par contre, lorsqu'il se déplacent vers eux, c'est-à-dire que as la régénération du mana que lorsque tu te déplaces vers les crapules Mais du coup les crapules, on est d'accord que en, en early c'est pas du tout un truc qui enfin quelque chose qui va permettre à, à Akshan de roam en fait, parce que... Bah déjà, il faut qu'un mec tue quelqu'un et en early, bah, dans, dans 5 secondes, c'est plus une crapule. Donc, euh, si c'est vraiment ça qui se passe, à moins que le crapule le rat, ça reste pendant une durée fixe. Ça, ça pourrait être intéressant pour le coup. Mais euh, je sais pas. Généralement, les gens qui viennent de faire un kill vont quand même essayer de, 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 bah, de push leur wave et de back. Quoi. Donc, s'ils push leur wave suffisamment rapidement, t'auras pas le temps de décale pour avoir les, les, les golds et du coup, la visée de déplacement et de réagir de manière ne sera pas si impactante que ça. Donc bon, je ne suis pas un grand fan de cette propriété active non plus. Je, je pense que c'est un truc qui a été mis là pour, euh, pour, pour un petit peu euh, meubler un peu ce personnage. Et que le, le gros du personnage va être dans ces deux derniers spells. C'est pour ça qu'on est à la 33e minute et qu'on les a pas encore euh, abordés. L'envolé héroïque. Alors, ce qui, ce qui fait un petit peu l'intérêt du personnage, hein. on sait que c'est un personnage un peu grappin, tout ça. Donc, Arshan tire un grappin qui se plante dans le premier élément de terrain touché. Une fois le grappin implanté, il peut relancer la compétence pour se balancer le long du terrain dans la direction visée tout en infligeant des dégâts physiques à l'ennemi le plus proche. Pendant qu'il se balance, il peut relancer la compétence pour sauter dans la direction du curseur et effectuer un dernier tir. Le dé de récupération d'un volet héroïque se réinitialise lorsqu'Arshan réussit une élimination sur un champion ennemi. Bon. La dernière partie, c'est vraiment juste pour faire des resets et tout, pour euh, permettre à Akshan de, de vraiment virevolter dans les teamfights, bien sûr. Euh, et tout en le rendant... Euh pas autant insaisissable que ça en lane, parce que si tu lui donnais un court cooldown euh, tout le temps, tu, bah, les gens pourraient juste pas, euh, le, le, pas le toucher en fait. Ils pourraient juste pas le toucher. Alors, donc on va, on va remettre ça dès le début, on va le montrer, voilà. Ok. D'accord. Donc déjà, première chose, ennemi le plus proche. Ennemi le plus proche, une tout dernière tir. Ok. Donc. Je suppose que tu peux te balancer tout, sur tout le terrain, mais que dès que tu touches un, un élément du terrain, tu t'arrêtes. Alors là, on pourrait déjà tout de suite penser à des trucs du style. Peut-être Azir, peut-être. Euh, euh, je sais pas moi, Anivia ou autre chose, mais bon, je sais pas si on a besoin de pousser le Counterplay aussi loin. Euh, C'est un spell qui est intéressant parce que je pense que ça va surtout être un spell qui va faire des dégâts. Euh. Et qui va être là comme euh, un petit peu un cran de sûreté quoi, un peu comme euh, un peu comme avec Ami. C'est un, je pense pas que ça va être un spell avec lequel tu vas vraiment foncer sur l'adversaire, à moins que vraiment tu sois ultra chaud et que la cible n'ait pas vraiment de moyen de te tuer. Euh, ce qui veut dire que, ouais, ça, ça, c'est, en fait, c'est un spell qui est quand même assez situationnel. Enfin, pas forcément assez situationnel, mais c'est un dash qui est pas euh, extrêmement, euh, comment dire, il est un peu limité dans son utilisation. Ce qui est intéressant du coup, hein, parce que ça permet du counterplay, mais... Euh, comment dire Il faudrait qu'on voit un petit peu... Il faudrait, je, vais, je vais le mettre en boucle et je vais, je vais couper le son. Il a pas l'air d'aller si vite que ça quand même. Donc t'as as un peu le temps de le voir venir, mais il peut te sauter de l'autre côté. Ça c'est intéressant ça pour le coup. Parce que du coup, il a techniquement deux dash dans son dash. Il peut faire un. Il, il peut esquiver un sort qui va arriver sur lui lorsque le... Euh L lorsque le, 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 ouais, le grappin va arriver, c'est ça. Si tu anticipes la trajectoire du grappin il peut dash dans le, de l'autre côté et puis c'est fini quoi. Ce qui est intéressant de son côté, mais c'est vrai que ça. En même temps, tu, tu me diras, ça crée quand même vachement le counterplay qui puisse pas faire. Euh, qui puisse pas dasher euh, et qui se fasse juste punir à la, à la sortie de son dash de toute façon. Mais euh, bon, on verra un petit peu. Par contre, il a l'air de proquer les marques de passif assez vite quand même. Euh. 1, 2, 3... Euh, ouais, hein euh. ah, Ouais, ouais, de en termes de proc de passif, on est bien, là, quand même. Parce que, imaginons, tu doubles auto-attaque Q-Spell un mec, tu as proc 3 marques, le retour du Q-Spell en proc une deuxième, tu mets auto-attaque, auto-attaque, t'en as déjà 3, tu appuies sur E, t'en as une troisième encore, t'as déjà 3 procs de passif dans, dans ton kit, sans compter ton ultime qu'on va voir plus tard, mais euh, ouais... On, on sent que le passif est quand même bien rodé. Si vous voulez, c'est un passif où tu te dis, ok, ça fait sens qu'il soit sur ce personnage-là. Parce que, parce que euh, les, 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 les compétences tu euh, synergisent quand même pas mal avec. Mais euh, bon. Déjà, c'est un spell que je vois quand même vachement bien utilisé sur la top lane, quand même. Mais euh, faudra voir. C'est quand même aussi un spell qui peut être intéressant pour ganker. Donc. Le problème qu'il y a avec Arkshan pour l'instant, c'est qu'il ralentit personne. Il n'y a pas de, il y a pas de, de, de contrôle de foule. Donc c'est vrai qu'en tant que jungler, avoir ne serait-ce qu'un slow, ça pourrait être intéressant. Bon, après, il aurait un smite pour ça, hein, mais. Euh... Voilà. Euh, ça, va être... ça pourrait techniquement être un jungler. C'est euh... une possibilité qui, qui n'est pas à... à négliger. Après, c'est vrai qu'il manque quand même un petit peu de spell de, de clean. Il faudra voir un petit peu son clean de jungle s'il est vraiment bien ou pas. Mais, euh, mais ouais. Euh... C'est un spell qui est intéressant. Ça va, ça va faire toute l'identité du personnage, hein, clairement. Il faut, euh, les bons joueurs d'action, ça serait ceux qui vont réussir à bien utiliser ce spell-là. Euh... Et il va falloir réussir à voir un petit peu euh, quel, quelle est la meilleure trajectoire à emprunter dans quelle situation. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça va, ça va définitivement ajouter au caractère un petit peu insaisissable de, du gars, hein, forcément. Mais. Euh... C'est vrai que c'est un dash qui est assez prévisible et qui met un peu de temps à se mettre. Parce que tu dois tirer d'abord le grappin, il faut qu'il se plante, il faut qu'en plus tu, re tu recasses la compétence pour balancer. Donc c'est un dash que tu peux quand même voir venir, mais euh, il, te, il, te, il, te, il te laisse quand même assez safe quand même. Il faudra voir un petit peu comment est-ce que, euh, est que ce dernier va, va, euh, va, être, comment dire, va être dans la pratique. Si, ben, si les gens vont réussir à bien le counter ou pas. Mais pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un, un meilleur Lucien, hein, vraiment, pour l'instant. Bon, on verra, on verra, on verra. Euh, puisque déjà on a le clou du spectacle, l'ultimate, bien mérité. Akshan verrouille un champion ennemi et commence à canaliser son arme pour stocker des balles. A la fin de la durée de la compétence, ou après avoir relancé la compétence, Akshan tire toutes les balles stockées. balle inflige des dégâts physiques, encore une fois. Selon les PV manquants, d'ailleurs le, le E était aussi des dégâts physiques, je suppose, puisque ça tue tir. Euh... Ouais, des dégâts physiques aussi. Bon, ok, donc c'est full dégâts physiques, intéressant. Je sais pas si les, 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 euh, les, euh, les tirs qu'il fait avec le E euh, infligent des dégâts à l'impact. Dans ce cas, je pense que Kraken Slayer serait quand même assez stylé sur lui. Mais je pense que Kraken Slayer sera de toute façon l'item à prendre, je veux dire, il n'y a pas d'item qui synergise mieux avec lui. Bref. Avant de la compétence, après avoir relancé la compétence si ça ne se pas de stocker. Chaque balle inflige des dégâts physiques selon les PV manquants du premier sbire, champion ou bâtiment touché. Donc, déjà, on a un mix un petit peu. On sent que c'est un petit peu un mix de l'ultime de Lucien et l'ultime Caitlyn. Dans le sens où on a des projectiles qui sont tirés sur un gars, sauf que c'est à tête chercheuse. Et euh, que ça s'arrête au premier sbire ou, euh, ou, champion, enfin, ou bâtiment touché. s'arrête au premier sbire, c'est chaud. Parce qu'imagine, tu, tu mets un gros trade au gars, tu veux ulti, et qu'il y a la wave qui arrive à ce moment-là, t'es un peu dans la merde. Apparemment, oui, tu peux te déplacer. En... Et oui, c'est ça ce que j'avais vu. Tu peux lancer, euh, tu peux lancer en volée héroïque, donc le grappin, pendant que tu canalises le, le tir ou que tu tires avec euh, bien été Ce qui est intéressant parce que tu vas pouvoir te, te, te angle. Tu vas pouvoir t'orienter grâce à ton E de manière à ce que tout est euh, ton outil touche Ça va être un champion assez skillé quand même. Hein Je trouve qu'il y, y a pas mal de trucs. Pas de choses intéressantes dans ce personnage. Euh... Pas mal de synergie à voir, et euh, je pense que quand on va voir des, des, pros, euh, des professionnels jouer avec ce euh, avec ce personnage, on... on va tout de suite se rendre compte de euh, la. la... Et pourquoi c'est ça Il y a autant de secondes à la fin. Ok. Alors, j'aimerais juste voir les stacks de passifs 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois qu'il les prend plusieurs fois le passif. Hein. Mais y a... attends quoi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Mais il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais le shield la proc que à la fin de la deuxième. C'est bizarre. Mais ouais. Donc les... chaque tir de l'Ulti proc le passif, ce qui est intéressant. Donc déjà tu peux voir que le passif va potentiellement pas faire d'énormes dégâts, parce que s'il fait d'énormes dégâts, ça veut dire que... Euh, bah... C'est euh, ça. Tu vois, as quand même énormément de manières de l'activer. Donc ça, ça rejoint l'idée que je me fais que du, du fait que le passif va pas être très très fort, qui va surtout être là pour être appliqué plusieurs fois sur un même champion, plutôt que. Enfin, euh, ça va pas non plus être un truc genre euh, le, 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 les carreaux d'argent de Vein ou le, 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 le passif d'Echo quoi. Euh, ça va vraiment être un truc qui est assez faible, comme un peu le Cuspel de Gnarr, enfin le Cuspel de Gnarr, le Z de Gnard. Potentiellement, un truc comme ça. Euh, après, bon... T'as l'air de te déplacer quand même vachement... Vachement euh, moins rapidement avec l'ulti. Ce qui fait que... Euh, bah, ce qui fait que... Enfin, ce que j'ai compris, hein, c'est ça. Je, je sais pas si on peut le voir, là. Je crois qu'ils le mettent pas. Ouais, ils il te montrent pas. Si, voilà, ils le montrent. Ok. Tu te déplaces quand même vachement moins vite. Donc je sais pas si tu vas vraiment pouvoir canaliser tout ton tir. Je pense que le... le L'intégralité du tir va surtout être là pour, euh, pour synergiser avec d'autres personnages qui vont mettre des contrôles de full. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, bah, généralement euh, en fait Tu peux essayer d'utiliser ton outil pour bait l'adversaire mais généralement ça va être un outil que tu vas pas mettre sur l'ennemi le, pour poke, euh, contrairement à un ulti Caitlyn, par exemple, puisque c'est des dégâts en fonction des PV manquants. Donc tu vas vraiment pas faire de dégâts euh, si tu mets ton outil même, même complètement chargé sur un mec euh, qui est full life quoi. Donc ça va certainement être un outil qui est fait pour tuer. Le truc c'est qu'il faudra voir le, le dé de récupération de son grappin, mais généralement tu vas utiliser ton grappin pendant le, le, le duel, avant d'utiliser l'ulti. Et euh, du coup je sais pas trop comment ça va se passer. Après, c'est vraiment un personnage sur lequel il va vraiment pas falloir euh, avancer euh, sans réfléchir, parce que si tu mets tout ton all-in, que ça marche pas, que tu essaies de te barrer et qu'il ultie, tu fais quoi parce que tu dois forcément te retourner, mais du coup tu as moins de HP et il peut réactiver son ulti puis te mettre des autos, donc c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Euh, par contre le fait que le bâtiment bloque les coups, ça va peut-être être, être euh, un bon élément de counterplay quand même. Parce que euh, se cacher derrière la tour à la dernière seconde, pour, euh, ça va forcément limiter beaucoup les dégâts du l'ulti. C'est pas un ulti que tu vas charger au maximum, je pense. C'est vraiment un outil que tu vas mettre genre tu vas charger vite fait à la fin si l'ennemi a pas beaucoup de dégâts. Faudra, enfin beaucoup de dégâts, pas beaucoup de points de vie. Faudra voir un petit peu... Donc c'est toujours des dégâts physiques je suppose. Ouais c'est ça, toujours des dégâts physiques, j'ai pas vu, oui c'est vrai, pas être sûr. Euh, parce qu'on sait jamais hein, s'ils mettent des dégâts hybrides c'est la merde. Mais là normalement oui c'est des dégâts physiques, ok. Donc il restera full dégâts physiques. Je sais pas. En fait, pour ce qui est du personnage, on, on, on va lancer le PBE là pendant ce temps, euh, pendant que je mets mes euh pendant que je, euh, je donne mes impressions euh, finales sur le personnage. Mais euh, ça m'a l'air d'être un personnage qui. Hop. Euh... Où est-ce qu'il est C'est -ce qu LOL, ouais, c'est ça, parfait. Ok. Ça m'a l'air d'être un personnage qui. Euh... qui est assez facile. qui semble assez facile à. enfin, à pas down, mais à empêcher d'avoir de, de, de l'impact en early game. Et il faudra voir un petit. Putain, il est en, il est en A, je sais pas pourquoi je fais ça. Euh, je pense que tu, je pense que tu, enfin, tu vas, euh, ouais, je pense que tu prends PTA, hein. PTA ou l'étal tempo, ça dépend. Je sais PTA. Hum, T'as pas de régène d'HP. On tente prendre triomphe. Euh, la vitesse de déplacement. Je... enfin la d'attaque, je pense euh, meilleure parce que ça te permet dauto attaquer plus rapidement et d'avoir plus de vitesse de déplacements derrière. qui donne plus de survivabilité que de vol de vie. Et pour le coup, je pense que euh, je pense que coup de grâce est meilleur contre lui avec lui. Euh, on va faire ça. Je pense que Absolute focus Gathering Stamp c'est bien. Ça pas besoin d'avoir des cookies ou d'autres trucs de merde. On va tenter son clean de jungle vite fait. Mais euh, Ah, peut-être que peut-être que comment dire, Fleet Footwork pourrait être intéressant aussi, il faudrait voir. Mais ouais. Je pense que c'est un personnage qui va être surtout un personnage de Lightning et de Snowball. Euh, et il euh, faudra voir un petit peu comment est-ce que ces ni niveaux scale, euh, parce que si ces niveaux scale pas si bien, de ce que j'ai compris, que ça a l'air d'être le cas, ça va être un petit peu bizarre. Ça a l'air d'être un personnage qui va... Euh... What the fuck, c'est vraiment bizarre ça. What the fuck. C'est vraiment, vraiment bizarre quand même. C'est vraiment bizarre ce qu'il fait au BS ces derniers temps. Euh... Mais ouais. Ça a l'air d'être un personnage donc... qui est un peu à la Kai'Sa, C'est un peu Kai'Sa sur le solo lane. Je pense que ça... ça rappelle définitivement Queen un petit peu, sauf que c'est vraiment un personnage qui est plus axé sur le fait d'avoir de... plus de vitesse de... Enfin plus de. Pas de, vitesse de déplacement. Mais plus de déplacement de, de ton côté plutôt que, que d'empêcher de... De... l'adversaire de jouer. Quoi. Puisque t'as pas énormément de contrôle. Donc. C'est un personnage qui va surtout être là pour euh, peut-être potentiellement counter des, des mêlées qui seraient, un, qui se, se croiraient un peu trop chaud euh, sur les lanes. Et euh, qui va être euh, certainement euh, combiné avec d'autres menaces. Est-ce que ça, ça c'est de retour ou pas Pas du tout. What the fuck? Ah c'est la capture d'écran ça. Intéressant. Euh... Tac, tac, tac. Alors je vais essayer de, de trouver la capture du jeu. Tac. Alors hop. Est-ce que ça marche là Non, ça marche pas. C'est vrai qu'il y a toujours un problème avec OBS. Je ne sais pas pourquoi. Il n'arrive pas à détecter les euh, mon, mon client League of Legends. C'est bon, parfait. Ok. Bon, on est sur le PBE tranquillement. Alors, on va essayer de texter vite fait son clean de jungle. Histoire de voir s'il peut. Euh, même si je suis pas le meilleur de jungler. Hein, mais. Histoire de voir s'il peut euh, jungle. Après, généralement, si, si tu peux faire deux, deux, camps, deux camps en même temps, ta euh, vie est belle. Je pense, que, je pense que le slow va être intéressant avec action parce que t'as pas vraiment de contrôle de foule et c'est meilleur hein, de. Ça me semble mieux de pouvoir. Euh, de pouvoir. Euh, comment dire Toucher des gens. Euh, plus longtemps avec le slow plutôt que de leur faire plus de dégâts avec les auto-attaques. Alors, je... Donc on va voir un petit peu ces spells, ces dégâts, tout ça. Alors, donc 51 de dégâts physiques, euh, 80% de, de, de la D, c'est ça C'est 5... What the fuck C'est quoi cette... Euh... C'est quoi ces dégâts de base nuls, à chi? <laughs> 5. <rire> Attends, vraiment 5 là Ça meurt la pute <laughs> Regardez-moi cette augmentation de dégâts, quoi. Bref. Euh... On est d'accord, oui d'accord, donc toucher un champion te donne de la mouvement speed, ça il le disait pas, hein. on est d'accord qu'il le disait pas ça. Hein. Euh, et donc on voit que la range est pas énorme dès le début, hein. euh, ça se voit d'ailleurs, ouais, la range est pas incroyable. Euh, le Z, alors, donc je suppose que le, la portée qu'on voit, c'est la portée de, euh, à laquelle euh, tu augmentes ta vitesse de placement et ton, ta, ta régénération de mana. Euh ouais 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 ça m'a l'air de vraiment d'être un jungler. Et donc là, c'est 32 dégâts physiques par coup. OK. Mais du coup, il suffit que j'en mette trop. 3... Ouais, il suffit que j'en mette deux et je fais plus de dégâts. Et c'est 18 secondes par contre, OK. Alors, on va tenter un truc. Fuck, bon, OK. <laughs> là pour le coup euh... là pour le coup, c'est un reset de game. Hop. On va tenter un truc. On va, on a, on va level up le. Euh, on va level up le E en premier parce que je pense que c'est ce qu'il ce qu faut faire si tu veux jungle. Parce que tu fais quand même plus de dégâts. Même si. Là, la QSP elle a combien 8 secondes de cooldown Ah, je sais pas en vrai. On peut essayer plusieurs. Hein. On peut essayer plusieurs de toute façon. Hop. Mmh, on s'en fout de l'état des waves. Ok. Donc, ok. Imaginons que je prenne le e. Tac. Ah non j'ai rappuyé, fuck. Je pense qu'il faut pas que je rappuie. Ouais de fuck, j'ai vraiment une idée dégueulasse par contre. Ah mais du coup c'est vrai que j'ai pas de shield. Oh, putain c'est vraiment... C'est combien 28 C'est nul à chier. C'est nul à chier. Alors... Ok. Oh, ouais c'est nul à chier. <laughs> c'est vraiment nul à chier. Oh mon dieu. Non en vrai j'ai mal dosé mon J'ai mal dosé mon euh... On va restart encore J'ai mal dosé mon, mon E Je pense que j'aurais pu avoir plus de dégâts e dès le début Mais je pense que ça reste pas ouf du tout On va tester une deuxième fois Et puis après on On s'arrête avec le E Et on essaye le Q spell et si le Q spell marche pas Je déclare Akshan comme étant non viable en jungle Hop c'est que avec le bug, du coup, on pense que les, 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 le blue a quand même respawn. Ok. Donc, donc normalement, je pense que je vais là. Ok. <laughs> Ça m'a l'air dégueulasse. Hein. Ah oui, non, mais je crois que je peux mettre deux auto-attaques. Ok. Tac. Oh Allez, tu vas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Je voulais pas utiliser mon smite sur le blue. Si j'utilise pas mon smite sur le blue, c'est que c'est de la merde. Je pense que j'aurais pu mieux le jouer, mais je pense que le clean est dégueulasse quand même. En fait, je voulais essayer de, de réussir de, 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 de smite derrière le groupe une fois que je serai là, mais je pense que j'aurais pu mieux éteindre <'en> run. Mais je pense que ça, ça reste quand même un, 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 trop, trop chum comme clean. De toute façon. On va tenter avec le Q-Spell, et si ça marche pas, c'est la merde. Pour notre ami Akshan. Et puis après, on verra un petit peu les, les synergies d'items. Et on regardera un petit peu mieux les ratios. Ok. Alors. Ah oui, donc il faut pas que j'éteigne run. Ok, j'ai vraiment une, une VZ d'attaque dégueulasse. Hein. Alors que j'ai pris une... Oh, putain. <laughs> C'est nul le chier <laughs> Oh, merde. Oh, merde. j'ai pas l'avoir, putain. Il va reset. Oh, quelle vie merde. Bon. Ok. Bon, c'est pas un... C'est pas un jungle. Ah, il faut tester, vous savez. Avec l'accessibilité dans la jungle, on peut, faire un, on peut faire pas mal de choses. Bref. Bon. Du coup, early game, tout ça. Donc, son suspect... Alors, son passif, c'est quoi Son passif, c'est quoi C'est 50% de ses dégâts d'AD. des dégâts. Ok. Donc... Euh, dans un hypothétique moment où tu aurais 400 d'AD, tu aurais 200. Tu feras 200 de dégâts en euh, le passif. Bon, c'est pas incroyable. Et donc tu gagnes 40 de move speed. 40 moins 85. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi Ah non, c'est de 40 à 85, je suppose. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. Dans... Pourquoi 40-85 Pourquoi c'est du moins C'est vraiment bizarre. Pourquoi c'est moins <laughs> Bref. Euh, je crois que c'est de 85 ou jusqu'à 40 je suppose. A euh, moins que non, pas du tout. Ça me l'air bizarre. Non, je suppose que c'est une pourcentage de déplacement. Ce qui fait que plus tu vas vite, plus tu augmentes ta, ta vitesse. Mais... Dans, cette, dans ce sens-là, peut-être que Gale Force pourrait être intéressant. Mais je suis pas sûr que, ce soit, euh, que tu prennes Gale Force juste pour euh, optimiser le passif. Parce que je... Alors du coup, derrière... Ah euh... euh c'était pas dans le mail. <rire> attendez... <rire> attendez, c'était pas dans le mail ça. Attendez, 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 attendez. attendez, attendez. Parce que là, 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 c'est du... Là, on est trahison-disgrâce, là. La troisième attaque ou compétence offensive d'Akshan inflige des dégâts physiques supplémentaires. On est d'accord. Et là, c'est des dégâts magiques. Tu, tu sens que ils, ils se sont rendus compte que c'était de la merde. Ils se sont, sont rendus compte que c'était de la merde. Donc du coup, ok. Donc on a bien de l'hybride. On a bien de l'hybride sur Akshan. Ok, intéressant. Euh, ok. Euh, Je vais pas la voix. J'en dû à avant. Alors, qu'est-ce que ça dégâts Ça fait au niveau 1, euh, sans Q-Spell sur lesbien. Hop. <laughs> <laughs> oh c'est vraiment des dégâts abysmaux comme, comme le disent les anglais Oh c'est dégueulasse En même temps c'est 50 Là maintenant là, c'est 64 putain 64 Niveau 1 64 Quelle horreur Je, je, je crois que je, le, 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 le cuspel de Sivir est pas loin d'en infliger le double niveau 1 quand même Oh merde Ouais, ok. Bon par contre les lacites ont l'air vraiment plaisant avec le perso. Dit-il en loupant un creep Par contre la vitesse d'attaque, oh tu sens quand même qu'il est censé mettre deux autos quand même. Ok, n'essaye pas, n'espère pas la site avec le Q spell. Il est là pour appliquer des sacs de passifs. Tiens, tiens. Ta ta ta, 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 ta. <laughs> Un, un, un. Ok, non, il a, il a, il appuie sur E bien joué à lui. Donc là, du coup, je peux me camoufler et là, il me voit pas. Et là, je vais récupérer mon E et là, regardez. Hop Je <laughs> pas de dégâts Je pas de dégâts, c'est Ouais, bon. Ce Q-spell fait vraiment zéro, par contre. Hein. Je, je, je me doute bien que c'est un truc qui est là pour appliquer les stacks de passifs et que du coup ils il, il, il prennent en compte dans les dégâts du spell le fait qu'il est censé appliquer les, euh, les Les stacks de passifs. Mais waouh! Wow. Oh là 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 là! Euh, fuck. Ah, du coup il auto-attaque forcément. Euh, ok, si je bouge pas, il auto-attaque de, de, de cibles différentes. Intéressant. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec son E du coup Alors, le cooldown passe de 18 à 12. Je suppose qu'il peut descendre en dessous des 10 avec le. Voir à peu près 8 secondes s'il a suffisamment d'Hability Haste. Euh, et que je pense que c'est le genre de spell que tu vas utiliser tout le temps. Je pense que c'est le. La chance c'est le genre de personnage qui va peut-être être beaucoup bénéficier de l'Hability Haste, je pense. Parce que le Q-spell, tu vas beaucoup l'utiliser. Ah, par contre, putain, le coup en mana du Q-spell. Oh là, regardez-moi ça. Euh, e. e, e. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, c'est définitivement pas possible de prendre la létalité. Par contre, pourquoi je fais des dégâts magiques On hit. Mais bref. Et le shield, c'est. Euh... C'est quoi La vitesse de déplacement Quoi oh, C'est les niveaux, justement. Ah, c'est peut-être les niveaux, justement. Ah oui, c'est peut-être pas la même icône. Non, je suis, je suis con. Ok, donc ce symbole, c'est les niveaux. Ce qui fait que le passif, euh, la vitesse de déplacement, euh, ça augmente en fonction de, du niveau. Euh, les dégâts du passif augmentent aussi en fonction du niveau. Et euh, le shield aussi. Plus 40% du bon, de, de la débonus. Ok, intéressant. Pour 2 secondes, ok. Donc c'est pour 2 secondes et ça n'a pas de cooldown, je suppose. Si, de 16 à 4 secondes cooldown, ok. Donc ça veut dire que c'est bien, c'est effectivement un, un shield que tu peux, dont tu peux attendre l'expiration avant de, 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 de foncer sur lui. Ce qui va pas être incroyable. Mais je me doute bien que lui mettre un cooldown aussi. Ah oh fuck. Alors je crois que c'est quand je relâche, c'est ça euh... Ah non, c'est pas en relâchant. Ok, c'est justement... Si je clique deux fois ou si je... Genre, je... Ok. Ouais, il faut que je maintienne. Non, ça maintient... C'est pas... Même en maintenant pas, ça... Ok. Donc, je dois juste à maintenir. Alors, du coup, je suppose que... Non, fuck. Excusez-moi, hein, je... Let's go <laughs> Let's go Non Putain, c'est pas... C'est pas infini Oh Vas-y, Rito Games! Euh, vraiment des bâtards, quand même! Mais bon, ok. Euh, mais du coup, je pense que. Alors, du coup, on est d'accord que les dégâts ils augmentent pas s'ils si augmentent. Euh... Pourquoi 10-56? Ça m'a l'air dégueulasse? Attendez. Euh... Qu'est-ce qui se passe si. Euh, vraiment, je me mets au niveau 18? Donc. On arrive à. Donc. Euh, tac. Alors, si je fais ça 11 11 11, ok. Donc, le ratio augmente pas, mais c'est les, les dégâts de base qui augmentent. Okay. Après, les dégâts de base augmentent. Enfin, le fait que les dégâts de base augmentent est vachement bien euh, sur le E parce que c'est le E qui est. Euh... Oh, quelle puissance! Ah, par contre, je dash forcément de l'autre côté. Attendez, non, je peux dasher de ce côté-là aussi. Ok, intéressant. Et donc le R a... Quoi... Excusez-moi. Euh... Ok, donc là ça... <laughs> euh, ah par contre tu, tu perds dans What J'étais à proximité du terrain monsieur. Oui voilà, ok. Il faut vraiment que je sois... Ok, là je perds. Ok, donc il faut vraiment que je sois vraiment près du terrain. Et par contre je gagne... Ok, donc je ne gagne pas de vitesse de déplacement de base. Il faut vraiment que je sois... Un... Ok. Donc le, le, le fait de gagner de la vitesse de déplacement de... en revenant sur la lane, pour revenir sur la lane, c'est de la merde. Ok. Alors du coup je peux ulti de très très loin par contre sa mère. Je peux ulti de là Par contre là ça va faire zéro dégâts parce que ça touche les Ok ça là tu, de tuer vachement rapidement les biens euh... Donc là comme je le chase je n'utilise pas le fuck. Oh fuck C'est bon je l'ai eu Let's go Euh donc là, ça fait au moins 40. ça, ça au moins 10 qui. Enfin, euh, au moins donc 40, cest donc 25 plus 10% d'AD. Euh, et donc c'est combien Jusqu'à 6 balles, ok. Non, parce qu'on a vraiment pas l'impression que c'est 6 balles pour le coup. Donc tu peux appliquer jusqu'à deux stacks de passifs complets. Ah mais vu ces ratios dégueulasses il n'y a pas l'air d'être fort On est, on est Game, on, je peux vous le cacher On va voir. Tout ce que je peux pas vraiment tenter pousser ce personnage aussi loin parce qu'il y a énormément de ping mais on verra. Et donc au niveau 3 c'est au moins 45... Alors c'est au moins donc 30 plus 10% et c'est 120 plus 40. Mais par contre on est d'accord que oui oui du coup c'est vraiment dégueulasse. What the fuck What the fuck Mais on est d'accord que c'est vraiment dégueulasse de cette, cette augmentation d'ulti Genre, tu gagnes 10 de dégâts minimum. Enfin, après c'est normal, tu n'utiliseras tu, 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 tu jamais les dégâts minimum techniquement, mais... Enfin... Et donc là c'est jusqu'à 120 plus 40% de la dé, Par hit, donc c'est 178 fois 6. On n'est même pas... Si on est à 1000, je crois on un peu plus de 1000 euh, sauf que c'est basé sur la, la, la oui donc on on, ira, on, aura, on sera probablement pas jusqu'à 1000 euh, ah non les dégâts à euh, ah, scale avec les, les chances de coup critique et les, les dégâts de coups critiques okay. ok donc tu peux crit avec le, avec les doublets ok et donc charge ça aussi je suppose non euh, tu peux appliquer les dégâts en hit, mais c'est que 25% ok Ok, action priorise les shootings, les, les champions. Euh... Ah. Par le Q-Spell ou quoi Par, par le marque. Ok, par le marque. Okay. Donc si t'as si déjà marqué quelqu'un... Ok, imaginons par exemple... Euh, je sais pas, moi, tac. Donc on a ça et ça. Si j'auto-attaque lui et que je fais ça... Ah non, il a auto-attaque lui. Ah d'ailleurs si je touche un champion ça s'arrête, intéressant. Ok. Le E a quoi comme portée Ah oui ok. C'est pas mal. Le, le E, est, le e a l'air d'être quand même d'être sa principale source de dégâts en fait. Oh regardez. ok donc il faut que je clique deux fois sur l'adversaire, sinon ça auto-attaque automatiquement deux personnes différentes ah ouais Et lui non What Mais ça n'a aucun sens Attends quoi C'est bugué Pourquoi il change de... Là il change pas Là il change pas Là il change Et là il là pour le coup alors que ce serait mieux de attaquer les deux les d'un coup il ne le fait pas. Mais non il faut pas que j'appuie sur eux comme ça. Putain de merde. Ouais, tu peux tu peux courir pas mal de terrain comme ça. Ah je vais me... Oh what <laughs> What Ok d'accord ok. Ah, le, ça a l'air d'être généreux hein, quand même. Et donc du coup là, imaginons par exemple, là je peux faire... Ok d'accord. Ouais, euh, ils sont quand même vachement généreux avec Action quand même. Mais là, par contre, ils ne le sont pas du tout, c'est des connards. Donc, lorsqu'il s'agit de diminuer la range de la, de la corde, ils, ils sont généreux, mais pas de, pour l'augmenter. Bien. Yeah. Euh, très bien. Euh, on va vraiment tout mettre. Donc voilà, donc, au, au maximum, là, comme ça, sans rien, euh, on est à euh, 200. 200. Allez, 200 retour je suppose. Et donc, il y a plus de déplacement mais sauf seulement quand il touche un champion ennemi donc il peut pas l'utiliser pour retourner sur la lane. C'est. Putain, c'est un Q spell bizarre. Et donc ça a 6 secondes de cooldown. Avec 0 habit haste. Ok. Imaginons par exemple que. Euh, Je sais pas moi. Euh... On, on se retrouve sur des cibles avec 2000 HP et une sonde Tac. Tac. Imaginons. Euh, par contre, c'est euh, CTRL-SHIFT-T, ouais, c'est ça. On a 2100. Tac, 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 tac. Ok, et donc là on augmente les radios et on chiffre g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que je me suis fourré deux fois. On y a 100, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, ça a pas marché. 6, ça a pas marché. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc. Attends, on peut voir les dégâts minim les dégâts qu'on lui inflige. Hein OK, attendez, attendez. Ah, attendez parce que il faut que je fasse OK. Attendez, est-ce que si j'appuie sur R et que je fais ça Non merde, je suis la merde. Donc je fais tac. OK. Ça marche comme ça. Aïe, ça fait mal ça, comme bruit. Euh, je peux faire ça. Ok, je peux faire ça aussi, hein, qui est intéressant. <laughs> ok, c'est drôle, c'est très drôle. Euh, ok, bon. On va voir maintenant les synergies avec les items quand même, parce que là, même si je trouve que le scaling n'est pas incroyable. Le action n'est pas incroyable, on verra avec des items maintenant. Donc je pense que Kraken Slayer est son meilleur item. Genre de loin. Je pense que Galeforce est deuxième mais genre... En fait ça dépend. Je pense que Kraken Slayer ça va être meilleur dans tous les cas. Mais peut-être que... Peut que si t'as vraiment besoin de tuer qu'une seule cible et qui est squishy et qui est pas trop... Genre si t'es vraiment contre un autre matchup distance peut-être que Galeforce pourrait être intéressant. Surtout en Milane peut-être, je sais pas. Faudra voir. Mais je pense que Kraken Slayer sera meilleur de toute façon. Euh, vu que l'ulti euh, scale sur les crit de chance et les crit matchs, je pense que c'est mieux. Hein. Surtout que là c'est 25% effectiveness sur des dégâts Hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Bon, peut-être que tu peux partir sur Storm Razor, mais je pense que t'en as pas besoin puisque as déjà de la liste de placement augmentée. PD peut être assez intéressant. Euh, J'ai besoin de plus d'argent. Bon, certainement des bots de mou speed, enfin des bots d'attaque de, speed. Et on va dire un ange gardien quoi. Même si je pense que il pourrait. Euh, witten pourrait être intéressant aussi, hein, euh, clairement. Donc là on en est à où là On va être un gros. Donc euh... ouais, attendez. Parce que si je fais. Ah, ça a touché quand même là. Mmh. Ok euh, J'ai bien réfléchi je pense que euh, Je pense que l'état de tempo est meilleur Ouais je pense que l'état tempo est meilleur ni yeah. yeah. Tac 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 Ah merde j'avais tous mes cooldowns Mais je crois que je l'ai pas utilisé de manière Ok Euh je sais pas trop comment est-ce que je vais... Euh... Je sais pas trop comment est-ce que je vais faire ça. Alors attendez, donc déjà j'aimerais bien on en avoir qu'une seule. Voilà, parfait. Euh, fuck les sbires. Voilà, merci. Donc. Si je fais tac-tac. On a un burst de 1500 en quelques secondes. Ouais. Je suis de la merde. Euh... Tac. Je peux faire une auto-attaque et double auto-attaque pour proc le, le Kraken Slayer, je pense. Tac-tac. Avoir... Ouais, ça fait mal quand même ce proc là. Ah mais attendez. Mm -hmm. ah, attendez, attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre... Euh... Ouais. Le rapid fire cannon. Pour voir un petit peu ce que ça donne avec le... la double auto-attaque, comment ça s'énergise. Oh c'est nul à chier. <laughs> il doit avancer. Ah c'est pas comme c'est pas comme Lucien. C'est vraiment, il doit avancer pour mettre sa deuxième. C'est juste, il a beaucoup attaques sur sa, de... sur sa sur sa de... deuxième auto-attaque. Ok, intéressant. Euh, comment ça se passe avec euh, Witsend C'est pas besoin d'autant de crit, je pense. Alors... On est bien là. Euh... Je trouve qu'il y a quand même pas mal de, 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 de dégâts magiques derrière. Okay. Le problème c'est que les dégâts magiques se scalent pas sur l'ADP. Donc à la limite, tu vois, le staff pourrait pas être si intéressant sur lui. C'était si dans, dans le point, du point de vue d'un enchanteur. Okay. Faudrait vraiment que j'arrête à faire ça. Euh. Bizarre. Attendez, on va tester un truc là. On va attendre que tout revienne là, machin. Ok. Donc, imaginons. Je suis en stealth. J'arrive. Hop. J'ai pas vu le, le, le DPS max parce qu'il s'est arrêté. Parce que j'ai utilisé certainement, mais. Euh... Genre. Là on est à 30, 3200. Le truc c'est que le personnage me semble quand même vachement lent quand même. Même si la vitesse de déplacement est augmentée comme ça. Regardez-moi oh, cette vitesse nulle. 395 c'est dégueulasse. Ah mais comme ça. Comme ça il a 500. Ah. Et c'est très dur de... En fait, quand t'as beaucoup d'idées d'attaque, c'est très dur de ne pas, de pas cancel ton auto-attaque. C'est trop chiant. Je vais pas aller partir par là. Euh, par contre, avec ce build, t'as zéro habilité. Par contre, ce qui fait que ton E, tu l'as vraiment une seule fois, quoi, dans ton team fight. Ce qui fait que ouais, c'est un personnage sur lequel il va. Enfin, tu peux avoir un kill, mais je suis pas sûr que tu vas en avoir plusieurs quand même. Il me semble quand même assez faible, pour être honnête. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on part sur un truc du style. Euh, Peut-être Trinity, ouais. Alors déjà j'aimerais voir si la létalité marche Même si je pense pas qu'elle marchera hum... Le problème c'est que le meilleur deuxième item de létalité C'est euh, Dernier Souffle Faut euh... présenter Serilda histoire de voir hein, Mais bon je pense pas que ça soit intéressant euh, On peut prendre ensuite Yumu Non pas collecteur Non on va pas prendre collecteur désolé Euh Serpent 5 et peut-être Hydrovora peut ce mythe histoire de voir, hein, de voir des trucs marrants. Parce que je, pense, je suppose que lorsque je fais ça... Ah non, ça ne qu'une seule fois. Et du coup je suppose que le E ça ne qu'une seule fois aussi. Ah non, ça qu'une plusieurs fois, ok. C'est marrant. c'est que... Déjà le, le, le passif d'Eclipse qui fait un shield plus celui du passif en lui-même, je sais pas si c'est si intéressant que ça, mais ça lui donne du vol de vie quand même. Hum, je pense que vraiment t'as vraiment... T'as vraiment zéro DPS avec ce bin, t'as pas de vitesse d'attaque. Alors c'est plus facile de faire ça du coup. Mais... Le fait que ton Q-Spell fait... Ah 400... 400 000... Ah, il fait du mille quand même Mais... C'est du 800 avec son armoire quand même, ça reste intéressant. Hum... Là, je fais des dégâts bruts, c'est pas possible. Euh, je crois d'ailleurs que. Attendez, parce que du coup, là j'ai 30% d'armoire de... pétation, donc je lui retire 30. Techniquement. Ouais. Je lui retire 30. Il lui reste 70. 18 plus 18 plus 18. Euh, 8 fois 3, 24 plus 30, 60. Euh, non, on est à 54. Ouais, quasiment des dégâts bruts. Quasiment des dégâts bruts. Après, je pense Serpent Swing pour, pour s'il y a des shields éventuellement. Mais s'il n'y a pas de shield. S'il n'y a pas de shield, on n'est on pas forcément obligé de partir sur. Le... On pourrait partir sur une manamune maxé, une en vrai. Murana, je veux dire. Parce que je pense que Murana, pour le coup. Non, pas rune, je parle de tir pour toi. Je pense pour le coup que... Euh... Alors là du coup j'ai augmenté la vitesse d'attaque du coup que j'ai mais ah, Ça a pas stacké, là What ah, il faut que je revienne dans la base, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que... Pourquoi ça marche pas C'est chiant ça. On peut pas... Ça... Je peux pas... chiant. Excusez-moi. Faut que je stack. Personne alors vraiment dégueulasse hein. je vais pas commencer hein, mais il est où Ezreal hmm, il est pas là, à la base. Euh... Je voulais tester. Il faut que je stack ça, s'il te plaît. Ça compte pas What the fuck Ah, il est mort. Mais non, ça stack pas la merde. Putain, mais c'est trop chiant Faut que je la réachète Qu'est-ce qui se passe Ah, c'est bon, il faut que je la rachète, ok. Parce qu'on est d'accord que j'ai le proc de Muramana sur tous les procs du E, non Ouais J'ai. Proc du les procs du Murana, surtout les procs que je Non, mais la Murana arrive trop fort avec ce personnage. C'est impossible de pas prendre Murana. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de pas prendre Murana avec ce personnage. Après, certes, tu me dis que le proc à impact n'est pas si incroyable, mais. Genre. On est d'accord que ça proc à chaque fois là Ou ça approche une seule fois Ah oh, Attendez. Ça approche une seule fois je crois. Je vais recommencer. Je crois que ça prend une seule fois. Euh, mais ça proc plus définitivement plusieurs fois sur le E. Ok intéressant. Tac. Je pense que Madame Lune est bon hein, sur ce personnage. Après il faudrait voir comment est-ce que tu prends le reste quoi. Parce que je pense que la létalité c'est pas la bonne... pas la bonne route. Et je pense que ça s'énergisse pas ouf avec ton... pas de ouf avec le build critique. Hum... Hum... Ça me l'air bizarre. Ça me bizarre comme personnage. <coughs> On pourrait tester un build avec genre Trinité. Genre un build Ezreal quoi basiquement même si en vrai je ouais en vrai est ce que dernier souffre fait pas juste mieux ah c'est 35 après je pense que t'as besoin de la haste mais et de la D et que t'aimerais bien slow avec ton E euh, je pense avec ton Q spell ça slow je suppose non ah ça slow pas Intéressant Mais là du coup t'as un slow euh, Ouais. Okay. Je te retrouve avec combien de. Hmm. Le truc c'est qu'en fait comme... Pour un personnage qui applique pas mal d'effets en l'impact comme ça, tu peux. tu peux peut-être tenter de prendre un truc à la Trinité en fait. Après, et rien ne t'empêche de partir quand même sur un truc du style. Euh... Tac. Toujours Kraken, mais cette fois-ci, tu pars sur un build plutôt Luciani, quoi. Lucien un peu. Avec Faux Spectral. Navori. Certainement Navori, même. Euh, toujours le... le Dominix. Et euh, un ange gardien à la fin, quoi. Parce que je pense pour le coup que le One Angel est vraiment bon sur ce personnage. Parce que ça te permet de survivre en teamfight dans des moments où tu te ferais one shot très rapidement. Et derrière ça te permet de plus, mieux utiliser ton passif. Ouais, en vrai je pense qu'un item, un, un item brillance... Un item brillant c'est quand même vachement bien sur ce personnage parce que tu vas quand même utiliser ton Q-Spell longtemps. Ça donne de l'habitier ce qui fait que tu l'as souvent. Surtout avec les crits. Comme tu mets deux auto-attaques très vite ça veut dire que tu mets potentiellement deux crits très vite. Et le truc c'est qu'en même... fait si ton ultiscale avec les crits... Ah fuck j'ai pas de... J'ai pas de... Fuck j'ai pas de ah ça va être chiant, ça va être chiant d'itemsé ce personnage. Parce que t'as envie de trop de trucs en même temps. C'est un peu comme Lucien à la limite. C'est-à-dire que... T'as envie d'avoir trop de trucs en même temps. Kraken Slayer c'est trop bien. Et Sun's Reaver ça, ça te permet de se révoquer tes sous-cinemaux parce que quand même 70 et 80 pour un spell que tu utilises toutes les 4 secondes c'est quand même vachement gros. Mais en tout côté t'as vraiment envie d'avoir euh, la lame d'infini quand même. Parce que euh, gagner des, des, dégâts de, des dégâts de critique c'est quand même vachement bien. Pour ton ulti, mais je pense pas que tu vas plus utiliser ton ulti tant que ça Et puis Dernier Souffle est juste mieux, enfin Dominique est juste mieux en fait Parce que ça a quand même 15% de dégâts supplémentaires sur les mecs qui ont eu plus de vie Bon je, je, je peux en rajouter un peu histoire d'être sûr mais Et voilà Mais genre là Je pense que c'est mieux, hein. je pense que c'est le meilleur build, je, je pense qu'on a trouvé le meilleur build, parce que en vrai, ouais en vrai je pense que c'est mieux, à la limite peut-être que tu voudrais enlever la fausse spectrale pour quelque chose qui te permettrait de plus roam et, euh... et mieux reset, peut-être que tu pourrais changer les deux premiers items, mais je pense qu'il y a trop besoin de vitesse d'attaque et je pense qu'avec l'état tempo ça, ça devrait définitivement être le meilleur build mais peut-être que tu peux enlever euh, la faux spectrale pour partir euh, direct sur Dominique je pense en deuxième. Dominique Navori. Et en euh, on avant-dernier on item, peut-être un petit Witsen si vraiment genre. Euh... Comme ça, tu utilises aussi le Nit, le... Le... ce qui synergise aussi avec les des attaques. Ce qui donne encore plus de dégâts magiques. Ah ouais 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 je pense que ça devrait être ça. Après le problème c'est que t'as moins de crit, techniquement t'as moins de crit. Avoir un item de crit serait intéressant. Pour le coup peut-être que pour le... Ah, peut-être que pour le 1v1 ce serait mieux d'avoir Pidi Ouais, je pense que Pidi est mieux sur le... Fuck, okay, je fais la merde. Excusez-moi monsieur. Quoi Mais j'ai mis... Là je sais pas pourquoi est-ce que le grappin ça c'est quand là pour le coup. Alors. Là je maintiens et il cancel, c'est bizarre. Bon je vais, jamais, je vais jamais appuyer avant. Tac. T'as vraiment une portée très faible et t'as vraiment qu'un seul dash. C'est ça le problème avec Action je pense. Il va vraiment falloir que tu utilises cette partie là. Ce que je peux faire c'est que avec Action, ce que je veux faire c'est que tu peux faire une auto-attaque pour avoir déplacements et mettre deux autos derrière. En fait, utiliser la, la vitesse de placement que tu as obtenue en, en skippant la, de, la deuxième d'avant pour, pour appliquer les marques sur la troisième et avoir le proc de Kraken Slayer. Fuck. Ouais je pense que c'est le meilleur build. En vrai je pense qu'il n'y a pas forcément, de... pas forcément possible d'avoir un meilleur build actuellement. Je sais pas comment est-ce que les items vont, vont évoluer. Le truc c'est que ça fait chier d'avoir PD que maintenant. Peut-être que tu peux échanger euh, Dominique et, 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 et PD mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ça dépendra de, euh, du match-up et de comment ça, ça évolue. Mais en vrai je pense que la synergie avec Kraken Slayer est vraiment trop grande parce que ça te permet d'avoir de la synergie en plus avec le, te le maximum de, vitesse ah, de, de donner le maximum de vitesse d'attaque. Euh, le passif de Kraken Slayer est quand même vachement fort. Ça donne de l'AD, ce qui fait que ça te permet d'avoir quand même de plus, plus de dégâts avec tes spells. Ce qui synergise avec Navori, puisque ça te permet d'avoir tes spells plus souvent. Je pense vraiment que Navori est, est genre, obligatoire sur ce personnage. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir plus de mobilité et de. Euh, et euh, derrière de spammer tes spells et, et d'avoir un coup plus de marque de passif qui est augmenté avec ton AD. Avec le, le Kraken Slayer. Et Dominique, parce que bah, Dominique s'est pété, quoi. On va pas se cacher. Hein. Et parce que as, tu vas rarement avoir plus de, de, de vie que l'autre. Euh, Phantom Nessor, c'est surtout pour pouvoir Kite encore mieux, même si je pense pas que t'en as besoin. Mais regardez-moi regardez cette vitesse. Regardez-moi cette vitesse. T'as quasiment du. Ouais, t'as carré carrément du. C'est dur de faire du hit and run euh, aussi bien euh, avec. Euh... Avec ce putain de. Pour le coup, c'est 4, 4 secondes après l'expiration du shield. C'est vraiment de la merde hein, comme, comme bouclier, mais on verra. Après, c'est en late game, mais bon, je me dis, je, je pense vraiment que ce bouclier est pas suffisamment fort en late game. Il devrait être plus gros, je pense, ou durer plus longtemps, ça dépend. Je pense que tu devrais pouvoir avoir de manière permanente un bouclier sur toi euh, si les gens font pas, le font pas tomber en fait. Il devrait, tombe, il devrait le, le cooldown devrait être plus long et commencer au début du bouclier, je pense. Voilà, t'as une vitesse incroyable hein, avec, euh, avec ton passif plus le PD. Genre. Ah, intéressant. Alors, attendez. Je peux pas Q spell et ulti si je peux Q spell et ulti. Intéressant. Donc je peux burst comme ça. Donc c'est veut dire que je peux Q spell. ah Attendez, un petit burst intéressant là. Je peux Q spell E ulti. Ouais, ça fait pas les dégâts de E, hein, mais ça serait incroyable. C'est à dire que je peux. Fuck. Putain, je fais de la merde. Je peux Q spell ulti et. Euh... Ok. Je peux Q spell. Non, fuck, je fais de la merde. Je fais la merde, je fais de la merde. Donc je peux. Q spell ulti, mmh, comme ça, intéressant. C'est en plus derrière ce que tu peux, f ce que ça te permet de faire, c'est euh, non seulement te repositionner avec le Q, le, le Q spell, mais aussi avec l'ulti. Ok. Ah, par contre, un truc intéressant, c'est que du coup, tu peux Q spell, eux mettre des dégâts, attendre d'avoir la portée, de plus avoir la portée, et d'Ulti. Et derrière, je pense que c'est pas possible de. Par contre je pense que les monstres de la jungle vont aussi pas mal bloquer les coups du, du, du R. Je pense que cette idée de, de le faire arrêter par les structures et par les lesbiens, je sais pas comment ça va se passer mais... Parce que en fait... Ah en fait d'un côté tu dis... ça a marché sur Lucien, donc pourquoi pas Faudrait se dire ça aussi. En fait... Je pense techniquement que Dominique est meilleur que Cyrilda sur, euh, sur Action pour la simple et bonne raison que euh, déjà Dominique est meilleur que, que Cyrilda de, de manière générale et ensuite parce que t'as pas besoin de slow avec sachant euh, que t'as su, déjà suffisamment de vitesse et de déplacement et que en plus euh, tu vas avoir PD et que en plus le, ton outil est auto-guidé ce qui fait que t'as pas besoin de ralentir le mec pour quand tu te, quand tu te touches. A la limite ce serait pour l'empêcher de se mettre derrière quelque chose mais. Je pense que ce, ça, ce sera que rarement. Euh, on n'arrivera que rarement à ce, à, à ce cas de figure-là. Par contre, on est d'accord que si j'appuie sur, euh, sur E et que je fais ça. Oui, ok, la corde euh, s'enlève pas, ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok, bon, on va s'arrêter là, je pense, parce que c'était déjà suffisamment long comme les vidéos. Euh, J'espère que cette petite vidéo sur Action nous aura plu. Je vais essayer d'aller un petit peu plus profondément euh, euh, dans, les, dans les personnages à chaque fois euh, pour des prochaines analyses. De... Parce que je pense que c'est. C'est là où je me scie le mieux et que ça me permettra de combler mon retard que je vais inévitablement avoir sur tous les influenceurs qui euh, font ça en temps, euh, genre, euh, en temps assez, à, assez réduit et qui euh, sont toujours les premiers sur l'information. Je pense que ce sera mieux pour moi d'avoir un, un aspect plus analytique et de rentrer en profondeur avec pourquoi pas une, une partie où je teste sur le PBE. En tout cas voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un... Vous aura plu non, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir, euh, voir les notes. Les... Ah Putain, je suis, vraiment, je suis vraiment fatigué, désolé. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Euh, et euh, moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine. C'était Oscur, salut